un important lot d'armes à feu et de matériel informatique offert ce samedi matin à la police ivoirienne. Le don de Manuel Valls, ministre français de l'Intérieur, vise à améliorer les performances des forces nationales de sécurité. La journée nationale de la paix, c'était hier, mais le sujet est toujours d'actualité. Le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire vient de mettre à la disposition des établissements scolaires ivoiriens un guide pratique sur l'éducation à la paix. Également dans ce journal, le Royaume du Maroc accueille depuis ce 14 novembre la conférence régionale de la communauté des États sahélo-sahéliens. L'un des points clés de la rencontre, le renforcement de la sécurité des frontières entre les pays du Sahel et ceux du Maghreb. Voici les principaux titres de ce 12h30. Bienvenue à tous. Manuel Carlos Valls, ministre français de l'Intérieur, est en visite à Abidjan depuis ce samedi matin. Première escale de cette visite, l'École nationale de police, où il a offert 500 pistolets automatiques et du matériel informatique à la police nationale. Un don qui vise à lutter contre les nouvelles formes d'insécurité, notamment le terrorisme. Et si la paix tant recherchée par les Ivoiriens commençait en famille? Ce n'est pas impossible, c'est d'ailleurs le combat que mène la Fédération section Côte d'Ivoire des familles pour la paix et l'unification. Elle a organisé hier, à l'occasion de la Journée nationale de la paix, une marche, justement, pour célébrer la paix. C'était à Abobo et notre reporter Pargasoro Kone y était. La famille, un modèle, voire une cellule, pour vivre ensemble dans l'harmonie et dans la paix. Pour les populations, elle est le pilier de la paix. La paix commence véritablement dans la famille, dans l'union, dans l'amour du foyer. La Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification section Côte d'Ivoire et le bureau du Conseil de paix section Abobo entendent sensibiliser les populations sur les valeurs incarnées par la famille. Une procession du rond-point du Banco vers la mairie d'Abobo alors pour mieux véhiculer cette pensée. La famille est l'institution la plus fondamentale de toute la société. Et aujourd'hui nous constatons que la famille est vraiment menacée par la perte de valeur morale. Une famille, c'est une femme, un homme. Maintenant, il y a des gens qui disent qu'ils sont femmes, ils sont garçons, ils se marient. Non. Pour les participants, cette marche en faveur de la paix trouve donc tout son sens. Quand on parle de la paix, c'est d'actualité. Et puis encore, quand on associe la famille, qui est la cellule où sont éduqués les enfants, je pense qu'il faut faire l'effort de participer. Si il y avait vraiment de l'amour dans les familles, ce serait plus facile même d'enseigner les enfants. Et on pourrait faire de nos enfants vraiment des personnes valables pour la société. Les chefs religieux et traditionnels venus apporter leur soutien aux initiateurs l'affirment, la famille est l'école de l'amour, donc de la paix. La paix est une bonne chose. Parce que sans la paix, il n'y a pas d'amour. Où il y a l'amour, il y a la paix. La paix et l'amour, mais surtout la sensibilisation de masse sur la vie morale. Un thème a soutenu l'activité, une vie sexuelle pure pour une société saine. Le reportage était commenté par Franck Quadio. Un guide pratique sur l'éducation à la paix. C'est le nouveau manuel mis à la disposition des établissements scolaires. L'initiative est du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP. Plus de détails avec Estelle Brou et Grace Kando. Un guide pour l'éducation à la paix dans les établissements scolaires en Afrique de l'Ouest. C'est le document de référence présenté par le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire, WANEP, aux 15 participants issus du secteur de l'éducation nationale. Ce guide, qui veut rendre l'éducation à la paix en milieu scolaire plus efficiente à la lumière de l'expérience, a été développé lors d'une consultation avec les acteurs de l'éducation nationale et le WANEP Côte d'Ivoire. On retrouve les stratégies et les mécanismes à mettre en place pour pouvoir enseigner efficacement l'éducation à la paix. Parce qu'il faut dire que l'éducation à la paix, c'est le mélange de trois composantes. Il y a la connaissance, il y a l'attitude et il y a l'aptitude qui aboutit au changement de comportement. Une consultation qui a tout son sens selon le ministère de l'Éducation nationale. La collaboration avec le WANEP ou la société civile nous permet de développer davantage nos programmes en vue du développement de compétences des apprenants. Ce guide mis à la disposition des établissements
veut promouvoir une meilleure pratique de l'éducation à la paix en Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. L'Association des femmes unies d'Abobo-Belleville disent non à l'hypertension artérielle et au diabète. Et pour joindre l'acte à la parole, elles ont organisé avec le soutien de l'Association Obésité-Diabète de Côte d'Ivoire, vendredi dernier, une séance de dépistage gratuite des deux pathologies. On retrouve Pargasso Rokone et Franck Kouadio. Asiloya habite le quartier Belleville d'Abobo. Hypertendu depuis plus de 3 ans, il décide de faire son test de dépistage du diabète. Il ne faut pas rester dans l'ignorance et puis mourir à petit feu. Donc c'est une opportunité. Le taux du diabète en Côte d'Ivoire est aujourd'hui estimé à environ 6%. Un taux qui interpelle l'Association des femmes unies d'Abobo-Belleville, la FUAB. Cette structure, en collaboration avec l'Association Obésité-Diabète de Côte d'Ivoire, organise un test de dépistage gratuit. Le diabète et l'hypertension artérielle sont des tueurs silencieux. Il y a des gens qui ont cette maladie mais qui ne savent pas qu'ils ont cette maladie. Et ça reste dans le corps, ça s'aggrave. Au fil du temps, ça progresse dans le corps et puis les gens tombent malades comme ça subitement. Une initiative fort appréciée. Ce nutritionniste sensibilise donc. Mieux vaut le savoir parce que figurez-vous, il y a certaines personnes qui sont diabétiques, qui sont ignorants et qui traînent le diabète pendant 10 ans au moins. Et en ce moment, c'est la catastrophe quand on s'en rend compte. La FUAB entend organiser plusieurs autres séances de dépistage en vue de sensibiliser les populations sur ces pathologies silencieuses qui les tuent à petit feu. Et puis le SILA 2013 s'est terminé. 4 jours de corps à corps pour auteurs, éditeurs et lecteurs. Cette 6e édition du Salon international du livre, qui a pris fin ce 15 novembre, a été marquée par la dédicace du Grand Prix littéraire d'Afrique noire 1993, Maurice Kakou Bandama. Reportage, Serge Coléa. Veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité de l'élément, nous y reviendrons. Et top départ pour le tournoi de la confraternité organisé par l'UNJCI, un tournoi qui est à sa 13e édition et qui a pour objectif majeur de renforcer les liens entre les journalistes ivoiriens. Le tournoi de la confraternité qui commence ce matin à sa 13e édition et il est doté du trophée Kriwazeli. Cette année, nous avons eu le ministre d'État de Somoussa qui a accepté de présider le tournoi. Et également, il y a notre parrain naturel, le président Youssouf Fadiga de la Federma, qui a accepté également de parrainer comme l'année dernière. Le plus utile ici, ce n'est pas la victoire finale. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a 43 équipes de la presse nationale qui se sont engagées. Et donc, nous pensons que les choses vont se dérouler dans un esprit fair play. Nous avons mis de notre côté tous les atouts pour que le tournoi se déroule dans d'excellentes conditions. Nous tenons donc à remercier le directeur général de la RTI qui a accepté de mettre les installations à notre disposition pour ce tournoi. Encore une fois, vraiment, nous lui sommes très reconnaissants pour cela. Nous invitons donc l'ensemble des journalistes à cultiver l'esprit de la confraternité. C'est cela l'esprit de ce tournoi. Et donc, notre vœu le plus cher, c'est qu'il y ait une mobilisation chaque samedi ici au stade de la haute fréquence à la RTI. Qui de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal sera qualifié pour le Mondial 2014? On en saura un peu plus à la fin du match retour qui se joue aujourd'hui même à Casablanca au Maroc. La conférence mondiale sur le dopage qui débute ce mardi à Johannesburg en Afrique du Sud pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire du sport. Elle propose de doubler la durée des suspensions pour les cas sérieux de dopage en passant de 2 à 4 ans. Reportage. La conférence de Johannesburg était l'occasion pour le SAID, l'agence sud-africaine contre le dopage, de mettre en avant sa politique de prévention. L'Afrique du Sud a connu ces dernières années une recrudescence de sportifs convaincus de dopage, une augmentation de 100% entre 2008 et 2010. Pour le SAID, cela est dû au fait que les tests antidopage se sont multipliés, mais pas seulement. Le SAID a lancé une campagne de prévention dans les lycées, car le dopage concerne de plus en plus de jeunes.
En Afrique du Sud, le sport est vu par certains étudiants comme une porte de sortie de la pauvreté. Il y a une forte pression pour être le meilleur. Selon un sondage en 2011, 4,6% des étudiants sportifs ont admis avoir pris des stéroïdes. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde de l'instantané. Ils veulent des muscles le plus vite possible. Et ils sont susceptibles d'être tentés par de mauvais produits. D'autant plus tentés que de nombreux produits dopants se trouvent en vente libre dans les supermarchés sous forme de suppléments alimentaires. Beaucoup contiennent des substances interdites ou sont mal étiquetées. Alors les sportifs en prennent parfois volontairement ou parfois involontairement. Le SAID a mis une page sur son site internet permettant de savoir quels produits sont autorisés et lesquels sont interdits. Comme ça, les sportifs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Le nouveau code, adopté vendredi par l'Agence mondiale antidopage, a durci les sanctions. Désormais, la suspension d'un sportif contrôlé positif est de 4 ans au lieu de 2, sauf s'il arrive à prouver que sa consommation de produits dopants n'était pas intentionnelle. Alors, 3 jours après l'enlèvement du prêtre français à l'Élysée, les commentaires et réactions vont bon train. Pour les autorités camerounaises, il pourrait être question d'un autre tour du groupe islamiste Boko Haram. Et pour le président français, François Hollande, je cite, « La France continue de payer le prix de son intervention au Mali. » Les derniers actes terroristes perpétrés au Mali, Niger, Kenya, Égypte, Libye, Somalie et Tunisie ne rassurent pas du tout les pays voisins. Ils ont donc opté jeudi dernier lors de la conférence régionale des communautés sahélo-sahariennes pour un renforcement de la sécurité aux frontières des pays du Maghreb et du Sahel. Reportage. Lutter contre le trafic d'armes et de drogue qui alimente le terrorisme du Mali à la Libye, c'est le défi désormais posé à tous les pays de la région, réunis jeudi à Rabat pour la 2e conférence sur la sécurité au Sahel. À l'ouverture des travaux, le ministre marocain des Affaires étrangères a évoqué le manque d'outils technologiques modernes à même de garantir un contrôle efficace des frontières face à l'immigration illégale, aux crimes organisés et surtout face aux infiltrations terroristes. Pour tous, l'objectif est de développer une véritable coopération régionale de sécurité. Cette conférence traduit l'importance de développer des moyens pratiques et efficaces en vue de sécuriser et stabiliser nos frontières. J'approuve le projet de déclaration de Rabat, qui est déjà la manifestation d'une prise de conscience de la nécessité d'une sécurité collective dans un espace commun, l'espace des États riverains du Sahara. La France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a tenu à réaffirmer son soutien aux États de la région, notamment à la Libye, qui doit relever d'importants défis sécuritaires. À l'évidence, la gestion des espaces frontaliers de la zone sahélo-saharienne est un défi qui nous concerne absolument tous. La dissémination d'armes dans la région est, pour nous tous, une préoccupation majeure et personne, je dis bien personne, ne peut se dire définitivement à l'abri. Première décision concrète, la conférence de Rabat a décidé l'échange systématique de renseignements et la mise en place d'un centre régional de formation des officiers en charge de la sécurité des frontières. Un tour aux Philippines avant de refermer ce journal où les premiers secours signalent leur présence. Plus de 70 000 survivants ont déjà reçu des kits alimentaires. ...15 tonnes de médicaments, 40 tonnes de riz et du matériel. C'est ici que prend fin ce journal, mais avant, sachez qu'aujourd'hui 16 novembre, la communauté internationale célèbre la journée de la tolérance. Soyons donc tous tolérants.